Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui, on va faire un petit article super simple. C'est en fait un concours pour gagner 15 licences de ScanBot Pro, la version pro du logiciel ScanBot dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. ScanBot Pro, c'est une application qui va vous permettre de numériser toutes sortes de documents, papier évidemment, que ça soit un bulletin de paye, une facture, un ticket de caisse, peu importe ce que vous voulez, au format PDF propre numérisé sur votre téléphone et sur votre ordinateur par extension, avec une synchronisation iCloud, Google Drive, Dropbox, Box, etc. C'est une application iOS qui s'installe donc sur votre iPhone ou votre iPad. Elle existe en version gratuite. Je vous l'ai présenté encore une fois il y a quelques semaines de ça, donc je vous invite à revenir voir l'article. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et il vous permettra de l'application donc de numériser tout ce que vous voulez numériser. Et la version pro qui coûte 8€ vous permet de faire en plus de l'OCR, donc de l'Optical Character Recognition, de faire de la reconnaissance numérique de caractère, par exemple pour faire un CTRL F ou un COMMAND F dans un document que vous venez de scanner, pour rechercher des termes dans un rapport par exemple. C'est assez pratique. Alors sur une page, généralement on a vite fait le tour. Quand il y a plusieurs pages dans un rapport, ça reste très utile. Sur un ticket de caisse aussi, pourquoi pas. Ça va vous permettre d'avoir des noms par défaut en fonction des fichiers que vous avez utilisés, des scans que vous allez faire. Ça va vous permettre d'appliquer des filtres pour faire ressortir mieux le texte que vous allez scanner. Le filtre Magic Color est juste magnifique. Vous avez un filtre noir et blanc qui va vous permettre de faire ressortir le texte et blanchir l'arrière-plan de la page sur un bulletin de paye par exemple ou une facture. C'est vraiment vraiment très très puissant et très sympathique. Vous allez ensuite avoir la possibilité d'envoyer automatiquement certains fichiers sur Google Drive ou sur iCloud. Ça, c'est iCloud est intégré, je crois, par défaut. Google Drive vient en plus sur les versions payantes, Google Drive, Dropbox, etc. D'appliquer plein de règles en fonction du document que vous allez scanner, de faire du multipage ou pas, etc. Comme je vous disais, c'est une application, une version pro qui coûte 8€. Il y a 15 licences à gagner sur locan.jp pendant les 24 prochaines heures. Cet article est publié ce soir, lundi 8 à 20h. Vous avez jusqu'à mardi 9 demain à 20h pour participer. Et pour participer, c'est encore plus simple. Vous prenez le lien de cet article, vous le partagez sur Facebook ou Twitter en public. Vous prenez le lien de votre partage et vous venez le poster dans les commentaires de cet article. Alors libre à vous de cliquer sur les boutons partager en bas directement, libre à vous de mettre le texte que vous voulez dans le Facebook, le Twitter, etc. Et je vous conseille très fortement de venir dans les commentaires mettre un bonjour, merci pour ce concours, coller votre lien, à bientôt, un petit truc comme ça, pas juste mettre le lien non plus, idem dans votre partage, juste le lien tout seul. Et même si ça reste un tirage au sort, ça m'empêcherait pas de retirer une deuxième fois au sort, si je tombe sur quelqu'un qui est pas poli, par exemple. Je fais pas plus long, c'est super simple. Petit concours encore une fois, mais c'est pour commencer la semaine. Et si vous avez loupé, le concours est là pourquoi? Parce que locan.jp a 10 ans, a fait 10 ans hier, en réalité. On rentre dans la 11e année maintenant. Et donc pour marquer le coup, vous avez ce petit concours aujourd'hui. Mais bon, c'est encore une fois juste pour commencer la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!